depuis le temps qu'on en avait envie. Ça revient avec le soleil, les participants, encore plein de gens qui viennent s'inscrire. Et on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute, juste avant les courses. Donc surtout, pas hésiter à nous rejoindre. Ça va être une super fête. Le podium est prêt, l'écran est prêt, les partenaires sont là. Donc voilà, le village va vivre. Il y a les food trucks. Rejoignez-nous, on est prêts. Alors on est présent ici parce que c'est une cause historiquement chère pour nous. Donc on est présent depuis plusieurs éditions, on est partenaire majeur d'Odyssea Chambéry. Donc bien évidemment cette année vous nous retrouvez avec notre bisounours qui sera présent dans la journée et plein de nouveautés. Donc comme chaque année on a les glaces, mais on vous retrouverez aussi notre roue de la chance pour gagner brassards, bananes pour mettre toutes vos affaires sportives, des bonbons et plein d'autres surprises. On est ravis d'être ici parce que maintenant je suis la présidente de l'association 4S qui propose des activités physiques adaptées aux femmes touchées par un cancer féminin. Donc grâce à l'argent d'Odyssea, on va pouvoir payer les 19 heures d'activités journalières, payer les coachs diplômés qui sont là tous les jours pour s'occuper des dames de l'association. On a actuellement 100 adhérentes âgées de 38 à 82 ans. Et la moyenne d'âge est de 60 ans. Bah, la team Chambé est fière de participer aux 20 ans de l'association Odyssea. Et nous sommes présents car nous partageons les mêmes valeurs. Nous allons retrouver un jeu du tir radar et un petit chamboule-tout pour les tout-petits. Oui, avec le fonds de dotation de la team Chambé, ça nous semblait évident d'être présent ici parce que comme Corinne le disait, on partage les mêmes valeurs de solidarité, d'entraide à travers à la fois les valeurs du handball, la course et puis voilà, en faveur de la lutte contre le cancer, ça nous semblait, du cancer du sein, ça nous semblait être important d'être là aujourd'hui. Donc on vous attend nombreux sur le stand de la team Chambé. Le cancer du sein touche la femme, mais là on a les enfants, on a les pères, les maris, les amis et c'est vraiment fabuleux de pouvoir être tous ensemble dans cet événement festif qui fait bouger le centre de Chambéry et d'avoir tous les élus derrière nous, le conseil départemental, la mairie de Chambéry, etc., de voir que c'est vraiment un élan des entreprises et pas que de l'individu. Mais de voir cette marée rose cet après-midi, c'est vraiment une joie. Comme chaque année, je pense que les glaces vont ravir les personnes avec la chaleur et puis les câlins avec notre bisounours, les photos à la borne à selfie, je pense qu'on va avoir du monde. Écoutez, on était à 8000 hier soir, les inscriptions vont bon train, donc on espère être à 8500, 9000. Mais surtout, le plus important au-delà des chiffres des inscrits, c'est l'argent qu'on va récolter. On sait qu'il y en aura plus que l'année dernière, qu'en plus qu'en 2020, donc on est super contents et on veut encore en récolter un maximum pour les femmes malades. Donc venez nous rejoindre au parc du Vernet aujourd'hui.